Salut les montagnards. On va faire une petite goulotte aujourd'hui et on va finir par une traversée d'arêtes. Et donc la goulotte se trouve par là-bas. Et regardez-moi ce temps magnifique. C'est beau. Ça va nous faire les cuisses de faire la trace. Nous sommes donc partis dans la goulotte Zia. C'est parti. Yes. 200 mètres d'alpinisme extrême. Ouh, mais c'est qu'il y a presque une rimée ici. Enfin, une rimée. Une petite crevasse, quoi. Bah voilà, passe bien cette rimée. Qu'est-ce qu'on fait là? Je pense que ça passe sans assurer. Après, si on veut faire les choses bien, on peut s'encorder. Mais ça tenait pas mal, ça. Quoi? Yes. Bah à la limite, le temps que j'enlève le relais, vas-y hein. Tu veux que je t'assure au réverso ou pas? Ok, ça marche. Bah je te... T'es bien là? Attends juste une seconde. Ok, j'étais au réverso sur le relais. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Là, Marius, il doit être dans le dur parce que ça fait un petit moment qu'il est parti. Donc on a défait tous les anneaux et tout. Il est en train de tirer, enfin de passer les passages un peu compliqués. À la base, on avait juste foutu deux points ici en mode pour protéger quoi. On n'avait pas fait de relais. Mais là, du coup, j'ai rajouté mon piolet en... Encore mort, juste là, je sais pas si vous voyez, pour sécuriser un peu le truc. J'ai pas pu faire un bon relais propre parce que j'étais en train de l'assurer, mais apparemment il a mis des points plus haut, donc normalement ça devrait tenir. Bon, je devrais bientôt pouvoir y aller. J'ai récupéré le matos et on y va. Départ! Ouais! Jolie la fissure. Oh putain.
comprends. Sympa ça! Oh bah j'ai plus de main! J'ai plus de main! Ouais! C'est bon, je suis bien! Ah j'ai plus de doigts! Oh putain! Ah je sens plus mes doigts! Du coup, me prends pas trop sec! Ouais, il y a une couche qui tient pas du tout là. Il y a une couche qui tient pas du tout. Laisse-moi un peu du mou. Ouais, laisse-moi même bien du mou parce qu'en fait là ça risque plus de me gêner que autre chose. Ah mais il y a un spit ici. Il y a un spit. Alors attends. Laisse-moi du mou. Déjà ça. Ensuite. Alors attends, il va falloir que je monte pour prendre le deuxième. Faut que je monte juste un mètre. Le brouillard se lève. Le brouillard se lève dans la goulotte. Ouh ! Joli ça. Allez, adieu goulotte. Bonjour, arrête. Putain, et c'est pas évident ce petit passage là. Oui. Ouais, en fait là, c'était en mode on va prendre son temps. Ouais. Et en gants en plus. Ouais mais je les avais enlevés. Vas-y un coup. Qu'il y a un relais ici hein. Ouh, elle est belle dis donc. Ouais. Donc c'est par là tu penses? On regarde un, bah, écoute, un petit topo. Ouais, un petit coup de topo. Alors, je vais me bâcher. Alors la traversée. Il nous reste un bon paquet de chemin là. T'en tire pas trop là. Vas-y, tu peux avaler un peu. Putain.
Putain, bah il nous reste un bout de chemin là. Hein. Du coup là, je pense que ça a traversé à gauche, non? Ouais, je pense aussi. Ok. Un peu le ménage là. Je fais sur le ménage et comme ça, et moi en attendant je fais les anneaux de cordes et tout. C'est bon. Bon Marius, il était comment ce petit passage de mixte? Eh bah écoute, pour une première, c'était costaud. Ouais, c'est du 3C en été, mais là c'est pas du 3C là. Putain, on vient de passer là-dedans là et. Un beau passage de mixte que Marius a fait en tête. Moi, je l'aurais pas fait clairement. Et puis là, on attaque le rappel. Peut-être faire un petit machard, moi, pour celui-là. Ouais, moi aussi. On va pas se mentir. Ouais, on le fait direct sur la corde. Sinon, j'ai un maillon rapide. T'as un maillon rapide? Bon, après. C'est mieux, hein. On pose un maillon rapide et puis on le fera. Je te donnerai 2 euros. Non mais t'inquiète. Ouais, on va le poser, ça fera pour les suivants au moins. Du coup, faut que je refasse tout le rappel. Non, je vais l'ouvrir. Allez, on fait ça. Ouais, c'est mieux. Je le mets sur les deux. Ouais, sur les deux. Hein. Ça loge ou pas? Voilà, je suis un peu plus en confiance, je vais pas te mentir. Bon bah. Avec ce maillon rapide, tout neuf. Ouais, tout neuf. Par contre, j'en ai qu'un. Tu vas poser avec amour. Oh oui. Oh oui. Par contre, ouais, c'est peut-être pas hyper intelligent parce que si on a besoin de faire une réchappe. Ouais. Bah, on laissera un mousqueton et puis on sera. Ouais. Puis voilà. Au pire, on descend sur une cordelette. De toute façon, on s'en fout de scier la cordelette une fois qu'on sera descendu, quoi. Tout à fait. Allez, part en enfer, là. Adieu. Là, il a disparu. Voilà. Disparu dans la purée. Envoyer une pierre sur la gueule. Hop, petite vache. C'est vrai que moi je vais manger un bout aussi là. Allez, viens petite corde, viens. C'est bien pèsera pas mal. J'ai la peur. On va pas se mentir. Corde. Bah, on peut pas trop faire une réchappe ici là. Bah, si, on peut faire une réchappe là, on peut descendre et en gros après on repart, on descend un peu plus bas, je pense qu'on longe. Ah ouais, on chope le col. Voilà, on chope le col et ça se fait bien. Après, c'est beaucoup moins raide. Hein. Bah ouais, c'est ça,
ça donne envie de continuer, mais je crois qu'il y a des pas de 3C quand même, de 3+. Donc si c'est comme avant où on doit se taper du mixte. Parce que tu vois, ce qui me fait dire, c'est qu'après la descente elle est facile. Ouais. C'est ça qui me fait hésiter. Je pense que c'est chaud. On le fera pas en 2 heures. Non, ça c'est sûr. Pour qu'on descende. Et en fait, ouais. Parce que en fait, moi le truc c'est que je me dis, si on se lance là-dedans, on n'est pas sûr de retrouver un aussi bon. Parce que là, on a un relais qui est béton. Ouais. On peut partir sur la gauche, rejoindre un col. Moi, je pense que c'est plus raisonnable qu'on s'arrête ici. Moi aussi. Je trouve qu'on a fait déjà un super truc. Ah ouais. Ah, nickel! On va prendre un petit piolet dans la main quand même, puisque c'est un peu raide. On va pas se mentir, ça fait plaisir un petit piolet. Peut-être falloir que je récupère la corde aussi. C'est pas mal, ouais. Hein? Je la mets dans mon sac là cette fois-ci. Ok. Bah je commence à te faire des traces. Ouais, vas-y. Essaie de repérer, vois si on peut encore descendre un peu, c'est parti à gauche après. Je crois que je vais prendre les deux en fait. Hein. Les deux piolets? Ouais, enfin quoi que non. Ouais. Ouais, non, avec un piolet, c'est largement suffisant. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Bah, la neige est super bonne en fait. Okay. Elle tient bien. Là, il est à peu près à 15 mètres de moi. Et on le voit à peine. C'est nickel. On est sur une arête qui descend bien. Ah bah on voit rien. Voilà, super. Super. Bon bah Marius, on va faire une petite conclusion où on voit rien du tout. Eh bah c'est parti. T'as trouvé comment cette petite... Cette course d'Alpi hivernale. Tout à fait. Et bah... Très chouette, on a appris énormément de choses. On a perdu un petit peu de temps dans la goulotte parce que on savait pas qu'il y avait deux speeds tout en haut qui nous auraient permis de, ouais, d'assurer le second et de gagner. Je pense qu'on aurait vraiment gagné 3/4 d'heure. Ensuite, bah, sur l'arête, je trouve qu'on a fait du bon taf. Franchement, sur l'arête. Ouais, c'est clair. C'était pas évident. On aurait eu plus de temps, je pense qu'on l'aurait fait. T'as fait du bon taf surtout parce que moi ouais, j'ai un peu suivi. Bien, tu vois. Et on s'est posé au bon moment, on a dit est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas. Ouais. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Étant donné qu'il est 19h, je pense qu'on a pris la bonne décision. Voilà. Moi j'ai été impressionné quand même par la difficulté, enfin je veux dire c'est du 3C de grimpe, mais putain... En fait faut tellement pas se fier aux cotations d'été. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que genre au début, tu vois, on regardait le topo camp to camp. Ouais. Sauf que le topo camp to camp, c'est vraiment la course d'été. C'est quoi ton bilan? Est-ce que tu as d'autres choses? Non, bah moi, c'est vraiment le... Enfin, en fait, le fait d'avoir des gants et qu'il y ait la neige, ouais. En fait, ça change tout, quoi. C'est du 3C, mais t'as l'impression d'être dans du 5C, limite, quoi. Et vu que t'es sur coincer, t'as pas envie de tomber. Voilà, et bah... la voiture. On est à la voiture. Et il est 19h. On a explosé l'horaire, mais c'était cool. Allez, ciao ciao les copains.